Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui sur l'EcoTrail 45 km et je suis accompagné de guests de ouf. Elisa is failing. Sophie, Carole running et Alex running juste ici. Bon les copains, on se retrouve à Versailles pour l'EcoTrail 45 km. Voilà, vous l'avez déjà vu l'année dernière, on va essayer de faire un truc un peu mieux parce qu'il n'y aura pas Sophie. Donc fais gaffe, oublie pas ce que j'ai demandé à Carole, hein. On va se foutre dans le fossé, tu vois. Bah, Carole doit me mettre dans un fossé du côté de Saint-Cloud. Donc voilà, donc on va essayer de vous faire kiffer sur ce petit 45 km. Comment ça va se décomposer, 25 km sans ravito, 10 km jusqu'à Saint-Cloud et ensuite 10 km jusqu'à Paris. Voilà, ça devrait être cool. Le temps, regardez-moi ce beau soleil. On est dans les parcs du château de Versailles. Le soleil est au rendez-vous, il a plu toute la nuit. Mais là, normalement, on est tranquille jusqu'à la fin de journée. Donc voilà, Carole, tu peux... Ah oui, je vous ai pas dit. Je cours avec Carole et Alex. Elles sont là en mode groupie. Carole, on fait quoi comme temps aujourd'hui? Je sais pas, 5h. Pas mal, 5h30. Ouais, 5h, ça serait ouf en fait. 5h, ça serait ouf. L'année dernière, je crois que j'avais mis 6h, 6h30, un truc comme ça. Non, on a mis 6h05 l'année dernière. 6h05. Ouais, voilà. 6h05. Ouais, donc, 5h30, c'est pas mal. Super, bon, allez. On vise un petit 5h30. On vous updatera au fur et à mesure de la vidéo sur le temps qu'on mettra. Et Sophie veut piquer. Bon, la les caméra. Amis, cette intro est encore bien trop longue. On se dit à tout à l'heure sur le départ. Et voilà les copains, moins de 5 minutes du départ, moins de 5 minutes, je vous filme le devant, le derrière, vous mettre un peu dans l'ambiance de course. J'aime bien faire les trucs un peu inside comme ça. Voilà, je suis avec le lièvre de cette EcoTrail 45. Coucou. Tu vises combien, Nico? Rien du tout. Rien du tout. Non, je suis trop fatigué, mon coach il va trop fatigué. En moins de 4 heures, moins de 4 heures, ouais, notre coach. Nuno, on t'embrasse, tu fais de nous des bêtes. Voilà, bon allez, je vous file devant, derrière, je vous mets un peu dans l'ambiance et après ça sera le coup de pétard les copains. A tout de suite. Profitez bien de cette journée et de cette course. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Allez, c'est parti les copains. On allume la montre. Et c'est parti. Allez les copains, je vais vous saouler, je vais gueuler et c'est parti pour ce 45 km de l'EcoTrail Paris, deuxième fois pour moi. Voilà, après un 80 km en 2019, le 45 l'année dernière et 45 cette année, je devais courir avec Sophie. Sophie est malheureusement blessée depuis quelques temps, donc elle joue la carte de la prudence, elle ne prend pas le départ, mais j'ai l'énorme chance, que dis-je, le privilège de courir avec Carole, qui a gentiment repris le dossard de Sophie, et avec Alex, qui se joint à nous, avec un joli dossard que je ne citerai pas. Voilà, on ne veut pas avoir de problème avec leur gars. Voilà. Donc, c'est parti pour les 45 km de cette EcoTrail sous un soleil magnifique, une température adéquate. Et voilà, on va essayer de tout skiffer ensemble, debout, tambour. Allez. A tout de suite les potos. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on. Bon les potos, 4,5 km. On est encore dans l'enceinte du château de Versailles. On va bientôt sortir. De mémoire c'était ça, c'était 5-6 km dans le château. Enfin dans le parc du château. Donc voilà, donc là on se dirige vers la sortie, 5 kills, ensuite une vingtaine de kills jusqu'au premier ravito, et ensuite 10 et 10. Quand tu coupes comme ça, c'est super simple en vrai. Je comprends même pas pourquoi on est déjà pas arrivé. A toutes. Donc voilà,
Les copains, on sort. Les policiers. Merci. Les copains, on sort du parc. 5 km 7. Et tout va bien. On papote. Le rythme est bon. Tout est super cool. Et là, on va entamer les parties un peu plus techniques. Voilà, voilà. Les copains, tout au bout, là-bas, au bout de mon doigt, le fameux château de Versailles. C'est beau, c'est loin, on voit pas grand-chose. C'est tout. 7 km 300. Ça roule. Ça roule, les copains ? Ça roule, il fait chaud. Voilà, ça roule. C'est vrai qu'il fait très très chaud. Ah, super, merci. Bonne course à toi. Donc, voilà, il fait très très chaud. Je suis parti ce matin avec la sous-couche, vous vous en foutez, mais je vous raconte quand même. Je suis parti ce matin avec la sous-couche. Je fais flemme, il fait trop chaud. J'ai mis les manchettes. Kilomètre 2, putain. Bazardé. D'ailleurs, je plains Carole qui est en full long, ah ouais. De la tête aux pieds. Ça va être une cocotte minute. Donc on a ramené une paire de ciseaux, on va lui couper tout. On va faire un short et un t-shirt. Les petites côtelettes, kilomètre 8 bientôt. On en profite pour boire. Pour manger pour ceux qui commencent à avoir faim. Tout est cool. 7 km 8, 45 minutes. Ça va. Je trouve ça plutôt propre. Bon, pour l'instant, on a eu zéro difficulté. C'est vraiment cool. Voilà. Course sur route ouverte, donc forcément. On court au gré de la circulation. Moi bon, j'avoue je suis un peu dégoûté pour ma première place au scratch. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va laisser le tout venant gagner, c'est pas grave si je suis pas premier. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn. Bon, les copains, le 10K vient de sonner. 1h00 09. Autant dire, 1h pile poil au 10K. Ce qui est plutôt cool. Ce qui est vraiment plutôt cool. Bon, le chemin pour l'instant, bon, c'est pas fifou, hein. Je vous ai filmé depuis le début. Le parc du château de Versailles est sympa. Et après, bah, c'est des chemins de sortie longue du dimanche, quoi. C'est sympa, mais les parties un peu plus cool arrivent dans pas longtemps. La forêt avec les petites patates, ça va envoyer, ça va être cool. Les communs, voilà, on est retourné sur la trace en commun entre le 45 et le 80. Voilà, là ça devient cool. Bon, les poteaux, le terrain est plutôt praticable. Il a pas mal plu cette semaine. Même, je crois que jusqu'à cette nuit, il pleuvait pas mal. Mais au final, les sols sont pas gorgés de flotte ni rien. Donc pour le moment, le peu de terrain potentiellement gras qu'on peut avoir, ça reste très praticable avec des petites chaussures de trail basiques. Up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up. Yo les potos, 15 km 5, 1h40. Tout roule, tout roule, tout roule, tout va bien.
Les voyants sont pour l'instant tous au vert. Ça fait plaisir. Petite descente des familles. Et on kiffe entre potes. Ça va Carole, ça va Alex? Ça va. Voilà, tout le monde va bien, c'est trop bien. Allez, à tout de suite. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waste. And we tear it up this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. Body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame. Baby, came here to play. I feel like an addict. Cause she's sex, drugs, cocaine. Allez copain, petite patate du 17ème kilomètre, 1h50. Tranquille. Alors ça sonne ding. Les voyants sont encore au vert. On arrive dans 8 bornes au premier ravito. Et ensuite ça fera 10 et 10. Et ensuite l'arrivée tranquille. Once you taste it, you cannot replace it. She could get you high. All the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment. But even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. Body so insane. Jealous of your clothing that she... Les copains, on va sonner la mi-course là. 22 km 6, 2,32, tout roule, je me fais doubler, il y en a qui courent dans les montées, tricheur, non tout roule, pas ma petite fatigue hein, mais normal, 2h30 de course, mais franchement ça va, les jambes ça va, le mental ça va, les poteaux derrière ça va aussi, regardez, premier ravito dans à peu près 2 kills. La répartition des ravitaux est assez étrange. Rien pendant 25 kills. Et ensuite, il y en a un autre à 10 kills après. Et ensuite, c'est l'arrivée. Vraiment une répartition. Peut-être à revoir. Bon, ça suffit. Hein. Tu parles avec ta bouffe et ton eau, mais voilà, c'est assez étrange. Ça grimpe sévère là, putain. Personne fait le malin là. Il est là-bas le parcours en fait. Ah oui. Ah ouais. Mais non. Il est là-bas. Je suis là-bas. Ah putain. On la retrouve au bout hein. Mais... Oh, on a tous envie d'être dans ce trou là. Il nous inspire. Ah putain, et puis on est vu qu'on est tous des moutons. Ouais. Ouais. Incroyable. Putain. Comment ça va? Attends. Ça se passe. Ça va. Bah ouais, ça va et toi? Bah écoute, ouais. Putain, c'est trop bien. Ça va? Ça va, Carole? Oui, et toi? Ouais. Excellent. Bon. Je suis trop content. Putain, il y a Stéphane Running, oui. Les potos, c'est excellent. Je suis trop content. Putain, je suis refait. Ouais, à tout de suite. Ouais. Putain, c'est trop bien. Bah oui. Bon les copains, on quitte le ravito de Chaville au 25ème kilomètre, premier ravito de cette Ecotrail 45. Et on a eu la très bonne surprise de voir Monsieur Running, Stéphane Running, nous faire un petit coucou. Franchement, ça rebooste toi-même, tu sais, quand tu vois un pote ou quelqu'un de la famille sur une course, comment ça te rebooste. Va te voir notre Stéphane Running de cœur. Bisous Steph, encore merci, c'est trop cool, merci. Voilà, de revoir quelqu'un de la famille, un ami, machin, tu sais très bien que ça te rebooste. Et là, de voir notre Steph national, ça m'a requinqué, vous n'imaginez même pas. Allez, on est reparti. Ah, je suis trop bien. On est reparti, on a mangé, il y avait du fromage, de l'eau gazeuse, plus de coca. Allez, point noir, faut que je gueule un petit peu. Hein. Point noir, plus de coca, alors qu'on est les premiers à passer... Les 80 sont même pas encore passés sur leur ravito, il y a déjà plus de coca.
Voilà, je suis un peu déçu. Mais voilà, allez, c'est reparti. Prochain ravito dans 10 km. Saint-Cloud, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, re 10 km et ce sera l'arrivée. Allez, c'est parti les poteaux. Les copains, là on est sur entre le 25 et le 35e, c'est grosso modo là où ça grimpe le plus sur cette éco-trail. Rien de fou. Voilà, c'est les 10 km à passer, un peu qui tape un peu. Et ensuite on sera grosso modo tranquille. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half nuts. You are not as tough as Je me souviens trop de ce fils ici il y a un an qui lâchait complètement les chevaux et qui est parti comme Carole. Alors les mêmes, copier-coller. Comme Carole. Allez, 27e kilomètre les copains. 3h20. On a pris un petit peu de temps au ravito, on a papoté avec Steph et tout. Ok voilà, et tout roule, vraiment tout va bien. Oh, je prends les escaliers. Voilà les photos, 30 km 200 et on rentre dans le domaine de Saint-Cloud. 5 kilos prochains ravito, ensuite il restera 10 jusqu'à l'arrivée. Ah la belle patate les poteaux. Oh la belle patate. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais ça grimpe. Allez, encore 1 kill du ravito et 11 kills de l'arrivée. 34 kills, 4h17. Les poteaux. Allez, ravito là, je bois. J'espère qu'il y aura du coca. Un petit verre de coca, petit truc à manger. On est reparti. Allez, poteaux, en face, ravito de Saint-Cloud. 34 300. On remplit les flasques, on mange un bout, on boit un truc et direction l'arrivée, 10 km. On lâche rien, c'est gagné là. Allez, c'est parti les copains. Regardez-moi ça. Et c'est parti. Yo les potes. Petit point haut, 38 600. Il nous reste quoi? Ça fait quoi? 6 bornes ça à peu près? 6-7 bornes. Donc on est rentré dans Meudon, bientôt Paris. Donc là, comme vous savez, on est... on va... De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais moi je suis bientôt 40 donc... Bientôt 40? Ouais. Putain! Je suis à 39,70. Ouais. Je suis à 38,70. Ah ouais. Bon bah j'espère que la montre de Carole a raison. Et celle d'Alex aussi. Bref. Donc il nous reste peu de kilomètres. Je vous filme pas grand chose que comme vous savez les quais c'est pas fifou. Je crois que j'ai dit exactement la même chose à exactement le même endroit il y a un an. Je suis absolument nul.
je me répète comme une comme un caca. Voilà, bref les copains, ça va, les jambes commencent à tirer, ce serait pas drôle sinon. Et voilà, direction la finish line tranquille. Et voilà, toujours bien les copains ? Oui, ça va. Ah bah putain, que demande le peuple ? C'est vrai qu'il fait bon, s'est chopé deux petites averses. Rien d'extra, ça n'a pas duré longtemps, ça nous a rafraîchi. Et puis, puis voilà. Allez, à toutes. Les amis, juste en face, une grande dame qui pique du ciel. Notre objectif, il nous détourne de notre objectif. Merci. Profite des derniers moments. L'arrivée. 1,6 km, le monsieur l'a dit. Oh, je vais changer la batterie. 1,6 km, le monsieur l'a dit. Donc, allez, il y a encore on y est bientôt. Et une petite côtelette là. Ouais. Je sais pas si on le voit les copains, un bel arc-en-ciel. Merci. Tour Eiffel juste là. Arc-en-ciel là. Super sympa. Et Sophie qui nous a rejoint pour les 600 derniers mètres. Je suis joie. Parce que même si mes acolytes ont été adorables tout le long de cet éco-trail, gros pincement au cœur de ne pas avoir mon poussin avec moi. Oh. Fallait bien sortir les violons à un moment. Poussin Sophie ou Poussin Eliott ? Poussin Sophie. Ah d'accord. Poussin Eliott aussi me manque, mais j'aurais pas pu le pousser 45 bornes. Quoi, c'est bon, regarde, je vais dehors. Oh putain. Salut, oh là là. Thomas, ça va? Ça va avec la Steve? Ça va avec la vie Carole aussi. Bravo, c'est là, Carole. La vie, c'est tout, la Steve. Carole, Thomas, va nous voir là. Thomas, Carole. Bravo. Spécial pour Eliott, tu déchires Steve. Et ouais, c'est pour Eliott ça mon gars. Et ouais, c'est pour Eliott. Pour mon petit poussin. Ah putain. Bravo. Bravo. Vous avez assuré. Ils sont trop forts. Les copains, ils m'ont porté sur les 10 derniers. J'emmenais pas large. Et sur les 10 derniers, ils m'ont porté. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment trop cool. Je vous fais une petite conclu vite fait. Derrière la Tour Eiffel, c'est génial. Bon, ce 45 km de l'éco-trail, parcours un tout petit peu modifié sur quelques passages. Ça reste très roulant. Il y a quelques patates, je crois qu'on doit frôler les 800 de D+. Mais parcours très roulant. On a eu un temps magnifique, 2-3 averses, mais rien de grave. Et bémol, tout petit bémol, pas de coca au ravito numéro 1, mais clairement je pinaille de fou. Donc voilà, je vous fais, je vous monte médaille, je crois qu'il y a une bière à l'arrivée, je vous montre ça tout de suite. Et ensuite je vous ferai des gros bisous. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour le trail de l'Optin avec Eliott, Sophie et Christophe. Les copains, regardez, des petites bières, la Trouble. Éco-trail, super. Je peux en avoir une s'il vous plaît? C'est très gentil, voilà, merci beaucoup. Bon les copains, au final pas grand chose à vous dire de plus à part la bière à l'arrivée, pas de t-shirt, pas de médaille. Là on a eu un poster, de chaque distance avait un poster différent dessiné par le dessinateur qui est des Bosses et des Bulles, je sais plus son nom. C'est des petites BD sur le trail qui sont géniales, j'adore, je vous mettrai le lien dans la description. C'est vraiment super cool. Donc voilà, donc poster au départ, petite poche pour ses déchets, obligatoire sur la course. Éco-trail, voilà. Bière à l'arrivée. Et puis voilà. Donc grosso modo, comme je vous ai dit, tout s'est bien passé. Petit coup de mou vers le 30, c'est grosso modo reparti. Hein. Voilà. Et voilà, donc comme je vous ai dit, des bisous. Et à la semaine prochaine sur le trail de l'Optin. Et merci à mes deux compères, à Sophie et à Elisa aussi. Allez, je vous fais des gros bisous. Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.